Salut YouTube, est-ce qu'aujourd'hui ça sera la fin de Frozen Wilds? Probablement pas dans cette vidéo, mais peut-être peut-être soon TM, on ne sait pas. Est-ce que je te ramène un truc de chez eux? On mange ensemble? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah écoute, si ça te dit. Si, si tu en... Désolé hein, YouTube, hein, je prévois ma journée de demain. Demain je me fais raser la barbe, et après je prends un boboon. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais... Dis-moi, c'est ce dont on parle sur le stream. Je viens de faire un rire complètement con. Je couperai. Je couperai au montage. Non, je fais pas de montage. Merde. Mais ouais, je veux bien qu'on mange ensemble, oui. Si tu as envie d'un boboon. Ou d'autre chose. Tu me dis. Ouais, le rire là-dedans. Désolé, hein. Désolé pour ce rire débilou. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ah ouais, j'ai le truc des chasseurs à faire, c'est vrai. J'avais pas terminé le machin. Des grillons là. Non, non, faut que je parle à la petite meuf là. Il y avait une petite meuf. J'avais une quête avec une petite meuf là. Art attack. Non mais ça on s'en fout. Voilà, c'est ça. Le souffle de Forge. Forge. La carte. On va où? On va là. Là. Regardez. Hop. Je me téléporte. On y va. Je te signe. D'accord, ça marche. Sinon... Non. Non. On ne parle pas. De Outer Wilds. On ne parle pas de Outer Wilds, c'est interdit. En vrai, j'avais déjà envie de le faire, mais tu m... Ah oui, c'est vrai, c'est le fameux feu où je suis dessus. Et en vrai, j'avais déjà envie de le faire. Mais tu m'as donné encore plus envie de le faire. Il est où? Il est où? Ah, c'est par là. T'as beaucoup joué ou pas avoir pas le sur Outer Wilds? J'ai plus de place. Non mais c'est pas grave, ça je m'en fous en fait. Qu'est-ce que j'ai mis comme ah. Ça je sais que ça marche bien. Ça marche bien aussi. Bah dis donc, c'est que j'en avais consommé des trucs là. Les quêtes de didacticiel, ouais, je les ai toutes faites. Hein. Ah, des rats, si je vois des rats, surtout, faut que je les déglingue. Les ratons. Les candy ratons. Quelques heures, c'est un jeu qui se prête bien aux sessions courtes, je trouve. Pourquoi tu le stream pas du coup? Alors, il est là le pépère. Pas cher, hein. Ouf, il a pris très cher. Ah voilà. Hop là. Non mais maintenant ça devient un peu simple hein, le jeu quand même. Ça devrait suffire là. Varga peut compléter son souffle de forge. Hop.
Parce que c'est la détente, le JV en ce moment. Je m'épuise à animer à l'escape game, donc quand j'ai le temps de jouer, je veux te... Ah oui, non, c'est vrai. Oui, non, c'est... Oui. Oui, effectivement, il est vrai que... Animer un stream... Ça demande quand même... de l'énergie. Donc oui, non, je peux comprendre que oui... quand t'as terminé le boulot, que t'as déjà animé toute la journée, t'as pas envie de t'en remettre une couche le soir, quoi. Regardez, hop. Ah, voilà. Il a fait son malin. Il est tombé dans le ravin. Des rats. Est-ce que je vais pas chercher les ratons tout de suite? Est-ce que je peux aller chercher des ratons? C'est surtout ça, en fait. Soif du démon Projo, parce que là tout a été cramé, non? Faut que j'aille au bunker. Là j'ai les ruines. Où est-ce que j'avais des... est-ce que j'avais des rats de manière sûre et certaine? Je ne sais plus. Des bisous Gigit, fais une bonne sieste, hein. J'en prendrai sûrement quand j'aurai rendu mon livre, j'aurai du temps et de l'énergie. C'est d'avoir deux tafs en parallèle, oui bah, oui, bah j'entends. J'entends bien, ne t'inquiète pas. Je comprends. Hein. Il y a des fois des petits streamers qui sont bien claqués. Parce qu'ils en font trop. Alors, des rats. Il y en a des rats, je suis sûr. On va regarder. On va y aller, on va regarder. Salut Patatarte, comment tu vas? Cher monsieur Atarte. Pat de son nom. Allez, viens la vieille dinde. On l'a pas de raton a priori. Est-ce que ça va par ici? Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. Après 9 heures de sommeil et une sieste après-midi. Bah écoute. C'est plutôt ok. Ah, il y a un truc là. Que j'avais jamais eu. Ça peut servir. Allez, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît, des petits rats. Je demande pas grand-chose, quand même. Mais regardez ça. Non, mais des rats, vous en avez partout dans Paris. Et là, il y en a pas. Tiens, lui, je l'ai pas eu. Non, merde, je l'ai enlevé. Pourquoi j'ai pas eu le feu de camp, ici? Pourquoi j'ai pas eu le feu de camp? Allez, let's go to the feu de camp. Un peu de bol, on aura des rats sur le chemin. Là, on a un lapinouillir. Lapinou, dindon. J'ai encore du lapin, j'ai du lapin, du sanglier, mais j'ai pas de raton.
Là j'ai... Oui mais là c'est du raton, c'est... moi c'est du ratou que je veux. Il est vrai que c'est pas du raton que je veux mais du ratou. Ok, c'est découvert. Non mais je vais essayer là. Hein. Dans le bunker. Hein. C'est quoi après? Attaque imminente. Ah mais finalement, je... non, ça a peut-être pas, c'est peut-être pas encore tout déglingué ici en fait. Ah si, c'est déjà déglingué en fait. Oui non bah, oh, je sais plus. Je sais plus, j'hésite. Je vais boire, ils vont me tomber dessus là. Ah, il y a un mannequin d'entraînement que j'ai, à qui j'ai pas encore cassé la gueule. Merci. La neige est blanche comme des ossements. Ah bah regardez, encore un mannequin à qui j'ai pas cassé la gueule. Bon. Du coup. Par là, hein? Oui, c'est par là. Ok. Non, crâne d'or. C'est déjà plein. Inventaire. Qu'est-ce que je peux enlever? Cœur de charognarde, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut que j'obtienne? Housse de rat. Et peau de rat. Bah voilà. Et ben voilà, j'ai eu toutes les améliorations. Oh là là, je suis impressionné. Hein. Et du coup, je peux tout vendre maintenant. Tous les trucs là. Ah bah tenez, ça j'ai pas. Hop. Je vais pouvoir tout vendre. Coucou Blacky, vite ma dose, vite ma dose. Mais ouais, je vais pouvoir tout vendre. Oh, tellement bien. Tous les trucs là. Tous les trucs, les machins, les bidules là. Tout ça, je peux vendre parce que j'ai eu toutes les améliorations en fait. Et donc, j'ai plus besoin de me faire chier avec ça. J'en suis qu'à 54% du DLC. Mais pourquoi? Mais pourquoi donc? Mais tout ça, ça va être vendu, quoi, maintenant. Au moins les trucs d'animaux, là. Bah vas-y. Téléporte-moi. Hop, vas-y. Let's go. J'ai pas découvert les animaux, ici. Tout. On va aller là, parce qu'il y a un petit marchand là. Je vais y arriver. Comment ça va, Blacky? Es-tu contente de me voir? C'est juste pas la tarte. C'est fait exprès l'erreur sur le félicitation ou pas? Ou t'as pas fait exprès? Ah non, peut-être que ça demande des ressources. Ah non, ça demande que du cristal en fait.
Ça, ça demande que du cristal. Ok. Je les ai pas déjà, ceux-là ? A priori, non. Ah non, c'est les... Bah non. Bon. Ah, j'ai pas pris mon échantillon gratuit, tiens. Et ça, on va tout vendre. Allez. Je vends tout. Tous les trucs des animaux, là. Tous les trucs des animaux, on dégage. On va garder les trucs des machines, mais les trucs des animaux... Savir, j'en ai marre. Ça va me faire tellement de place dans l'inventaire. Hop, les sangliers, c'est pareil. Hop, les petits écureuils. Oh, mais regardez, 103. 103 sur 120. J'ai jamais eu autant de place dans mon inventaire. Ah, ça fait du bien. Ça, c'est quoi, ça? Bloc de métal transformé. Les vers du désert. Est-ce que vous pensez que j'ai des vers ou pas? Ça en vient. Bon bah voilà. Ça fait de la place, on est content. Puis on verra si on vend le reste ou pas. Déjà ouais, j'ai 30 emplacements, c'est bien. Enfin non, 21 emplacements. Si coup ça, je suis sous ma couette. Bah voilà, donc t'es bien du coup. Comment ça ne pourrait pas aller alors que tu es sous ta couette? Comment? Bah je l'ai réparé. T'as trouvé voilà. Des choses intéressantes? Ouais. Possible. Je vais te dire. J'ai ce que tu voulais. Montre-moi ce que t'avais en tête pour le souffle de forge. Enfin. J'avais l'impression de négliger ma belle. Et ça me rappelle un peu trop ma famille. Elle est prête. Et j'ai Zumba, mais la copine n'est pas là. Du coup, j'ai la flemme et surtout envie de dormir. Bah, te force pas, hein. Merci pour le souffle de forge. De rien. T'es tellement mieux pour elle que son ancien propriétaire. Tu parles d'un sale fumier. Si je trouve un truc qui peut t'intéresser. Ok, ça c'est fait. Next. Hop, et on va aller la rejoindre. Alors c'est ouf. C'est là. Super, y a pas de... y a pas de feu de camp. Si, y a un feu de camp. Si, il y a même deux feux de camp. Je suis jamais allé ici. Pourquoi je suis jamais allé ici? Ça se trouve, il y a plein de trucs ici. Par où je... Comment j'y vais? Par là? Allez, vas-y. Je vais courir, c'est pas grave. Je vais sûrement rencontrer des ennemis, mais c'est pas grave. Je vais courir comme un dingué. Un dingo. Et ça va très bien se passer. On va rien voir. Ah, ça me file des... Oh là, je suis bientôt niveau 60. Je suis bientôt niveau 60. Soon. Ils vont se vénérer parce qu'ils me voient là. Je vais devoir me battre. Salut. Salut. Hey, salut. Voilà qu'il me chasse. Bah finalement il me chasse plus hein. Tiens. Bon, il est parti. Bon il s'en va.
Ah! Un petit feu de camp découvert, parfait. Est-ce qu'on va pas chercher celui qui est un peu plus en haut? Si. Ok. Débris antiques. Ok. Donc là j'ai les dents de scie. Pourquoi il y a un truc là? Pourquoi il y a un truc là et on me demande jamais d'y aller en fait? Ça m'étonne quand même. Ça j'enlève et on est parti pour aller chercher le gueule d'orage. Salut les animaux. Oh mais je leur fais un coup maintenant. Ah mais super ouais. J'avais pas vu qu'il y avait lui. Tiens, je te pirate. Je vais te pirater ta gueule, moi. On va voir si tu fais ton malin. Je peux te réparer. Hop là, réparer. C'est pratique, non? Elle a fait pipi. Ah mais je l'avais jamais vu. Vous avez vu qu'ils font pipi? Mais c'est quoi ces conneries? Ils font pipi. Tiens toi. Aïe! Oh, il m'a fait mal lui! Battez-vous! Merci. Voilà. Attendez, il s'est fait toucher. Je vais le réparer. Tiens. Voilà. Bon, il y a un succès pour réparer les animaux, hein, évidemment. J'ai un peu de tristesse aussi que M ne soit pas à la maison, un sentiment d'échec et avoir agi sur un coup de tête. Quoi? Comment ça? Et c'est pas grave, ça se trouve il est pas loin. Il est peut-être pas loin, M. Et évidemment que t'as... Enfin après, oui, évidemment que t'as agi sur un coup de tête. Quoi? Pourquoi... Pourquoi il y a la musique de... Je suis vénère? Ah merde, c'est en haut. Ah mais il est là, regardez. Ça fait du bien de voir les genoux hors de la neige. Bon, on
suis prête à y aller. À ton signal. On scanne les environs. Alors, paf. A marqué ma cible. J'espère qu'elle le trouvera. Bah oui, il y a de grandes chances que ça soit le cas. T'en fais pas. Alors, le gueule d'orage. Hop, vu que je suis un petit malin. Faire ça, je vais faire ça. Zbame. Et vu que je suis un petit malin, je me suis gouré. Allez hop, un truc de moins. Allez, un truc de moins. Hop là. Ah ouais, vas-y. J'en ai affronté des plus balèzes que toi, hein. Je t'annonce. J'annonce. Des gueules d'orage, moi j'en bouffe 12 au petit déj, hein. Merde. Oh, il se barre ce petit con. Gardez-le. Gardez-le fuir là. Tu fuis petit bâtard, hein. Aïe. Ah, il m'a tapé. Il m'a tapé le vilain. Ah, tu souffres, hein. Ah, tu souffres, hein. Et je me fais pas toucher par le gueule d'orage. Mais je me fais toucher par les merdasses là. Oh non! Oh, il y a des. Oh là là. Ah bah évidemment, évidemment. Évidemment qu'il y a les emmerdeurs de première. Aïe, il passait où? Oh là là, mais il se barre! À une vitesse, ces saloperies là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. J'ai tout côté, hein. Voilà. Un niveau 60. Voilà. Varga devrait avoir de quoi ranger le rail de glace. Pourquoi me met ça? Je m'en fous. Ah, est-ce que j'ai pas tout récupéré? Ah oui, d'accord. Parce que j'ai des modifs. Voilà. Merci pour le GG. Ah, c'est mieux. Elle est où
Elle est où ma pote? J'ai ta pièce. Prête à me bricoler cette arme? Je suis toujours prête à bricoler une arme. Je n'aurais jamais cru me réjouir de voir l'intérieur d'un gueule d'orage. Moi j'adore! Les machines ne sont que des grandes caisses à outils. À condition qu'elles ne cherchent pas à te tuer. Ouais, bah t'as rien fait, donc évidemment, c'est simple. Hein. Tu reconnaîtras pas ce rail de glace quand j'aurai fini. Voilà. Oh, elle est parfaite! Une lance reste une lance, non? Pique, perce, pouf! C'est nul. J'ai ajusté le débit de givrelin, rééquilibré, intégré un lanceur, et maintenant, elle lance des pics de gel. Des pics de gel, carrément? Tu ne plaisantais pas. Plus jolie, plus redoutable. C'est ça, ma garantie. Tu fais du bon travail. Je t'ai dit que j'étais douée. On doit se mettre en route. J'ai hâte de découvrir la... Allez, est-ce que maintenant ça m'a refilé des... Ah bah évidemment. Évidemment que ça m'a refilé des trucs, quoi. Les grius touchés par le canon de glace apparaît avoir été gelé. Machine touchée par le brasier. Ok, bon, on va faire le dernier du coup. Le foudroyeur. Et le pour le foudroyeur, il faut aller aux oiseaux tempêtes. Et les oiseaux tempêtes, ils sont là. Il y a un marchand que j'ai pas eu. Eh ben, on va aller chercher le marchand d'abord. Hey, salut Behemos! Merci beaucoup pour le raid, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Behemos. J'ai vu que tu jouais à comment ça s'appelle là, Breath of the Wild. J'ai vu que tu jouais au nouveau Breath of the Wild, comment ça s'appelle? Est-ce que ça a été du coup? Que ça s'est bien passé. De mon côté, voilà, je suis sur, toujours sur Horizon. Mais bientôt la fin, hein. Là, le Horizon, promis, bientôt c'est fini. Hein. Faut pas descendre par là. Est-ce que je peux descendre par là? La neige est glacée par ici. C'est risqué, mais... On aime vivre dangereusement. Regardez. Regardez le raccourci. Je risque de le regretter. Mais non, vas-y. Fonce, tu crains rien. Bah voilà, vous avez vu, c'était simple. Et salut Ronin. Kenna, ça n'a rien à voir avec Breath of the Wild. Ah bon? Alors, je sais pas, dans les fields, ça file des... Enfin, ouais, j'ai vu... J'étais chez Nemenia cet après-midi un petit peu. Et ça donnait des airs de Breath of the Wild en fait, mais peut-être je m'ai trompé. Régal sur Horizon. Kenna, ça serait plus un mix entre Tomb Raider, les Souls et Pikmin. Mais oui, ils ont parlé de... Ouais, elle a parlé de Pikmin aussi, ouais. Entre Tomb Raider, les Souls et Pikmin. Ah ouais, d'accord, sacré mix, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Mais donc du coup, ouais... T'as bien aimé ou pas ce que t'as pu voir du coup du jeu? Là j'ai besoin de rien. Ah je l'avais pas celle-là. Bah vas-y. C'est parti pour la partisane là. Je suis étonné, un truc que j'avais pas. Bon, elle est où ma pote là? Ah, ma pote elle est de l'autre côté. Ah, j'ai peut-être fait une connerie finalement. Il va me voir le gros osio là. Bah oui, le gros osio il va me voir. Ou alors je fais... Oui, je peux faire ça. J'aurais pu me téléporter direct mais...
Hop là. Allez. Tu me vois plus, regarde. Hop, tu me vois plus. Vous avez vu le gros osio, il me voit plus. C'est un mix improbable, mais ça donne un jeu très quali à voir en tant que view, en tout cas. Oh, c'est cool. Que sur PS. Non, c'est PS4, PS5 et PC. Mais exclu Epic Game Store, mais en même temps. Qui n'a pas le Epic Game Store maintenant hein. Fais pas une équipe de 17 personnes et pour l'instant rien acheté. C'est une bombe ce jeu, c'est cool. C'est cool. Salut Gabel. J'espère que tu vas bien. On l'avait vu lui. Est-ce qu'on t'avait parlé à toi hein? Ouais, on t'avait piqué ton échantillon je gratuit donc oui. J'aime bien, il y a les oiseaux qui nous attend. Merde, elle est où? Allez là-bas. Vu. Ah mais notre pote elle est pas là en fait. Quoi? Tant pis. Ah voilà. Déjà il y a moins à faire son malin là. Allez. Merde. Ah oh là là l'enfoiros. J'aime pas trop quand il fait ça. Voilà. Est-ce que ça a marché celui-là, ça sur lui? Oh! Moi je crois que ça marche, oui. Ah merde! Pas vu venir ça. Salut Rabia! Ça va Rabia? Bien devant l'écran? Oh oui, dis! Est-ce qu'il prend ce con? Oh, il s'est fait enchaîner là. Ah. Merde. Complètement à côté. Complètement à côté. Voilà. Hop là. Bouge pas trop. Fais rapidement. Quoi? Ah, il y a des méchants. Y'a des méchants. Y a des méchants. Il y avait des méchants quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Ils le savent qu'ils vont mourir pourtant. Hop. Je leur cache chez Bemos du coup je leur... mon... attends. Du coup... Mon leur qui a fini chez toi. D'accord, ça marche. En gros, je dois filer, mais je t'envoie plein de force et des bisous. Bah, des bisous, BMOS, et encore merci beaucoup pour le raid. Ça me fait extrêmement plaisir. Un petit R comme Rabia. Oh là là. Désolé, hein, j'étais pris dans mon combat. Vous le savez, quand je suis dans les combats. Hein.
Hop. Varga dit qu'elle peut améliorer le foudroyeur avec ça. C'est quoi le truc bleu là? Un verre de scorie. Les trucs qui me servent plus. Ah donc niveau 60 c'est bien le dernier niveau parce que là je suis Keblo au niveau 60 en fait. Et je gagne plus d'expérience. Donc je suis vraiment au bout du bout quoi. Ça y est, régale-toi, c'est excellent jeu, c'est le prince. Ah ouais non mais je suis bientôt à la fin, je suis triste en fait. J'ai la pièce qu'il te faut. Je suis triste parce que je suis vraiment bientôt à la fin j'ai quoi. J'ai déjà les mains pleines de cambouis. J'entends dans l'orc, sauf que ici du coup ça marche. Je repasse peut-être, mais hésite pas, ça nous fera plaisir. Mais merci Gubble de toute façon de dire bonjour, voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit coucou quand vous arrivez sur le stream, même si derrière vous parlez pas. Mais sans regarder les étincelles. Ok, j'ai dû pratiquement l'ouvrir en deux. Mais qu'est-ce qu'un bâton? Une brindille. Ce que j'aime avec les brindilles, c'est qu'on peut les réassembler dans le sens qu'on veut. Je vois ça. Elle est tellement philosophe, elle. Est beaucoup plus dangereuse. Elle est plus que dangereuse. C'est une vraie tueuse signée Varga. Prends bien soin d'elle. Merci, Varga. Ces trois armes sont incroyables. Tu veux rire? Je ne m'étais jamais autant amusée. C'est moi qui te remercie. Mais c'est moi qui vais me trimballer de nouvelles armes. Tu vas pas me payer alors que tu m'as permis de faire ce que j'aime le plus au monde. Mais n'en parle pas à mon père. Tiens, chaque fois que je bricole des armes, je trouve des tas de trucs comme ça. Peut-être que ça te sera utile. En plus, elle va me filer des trucs. Qu'est-ce qu'elle va me filer en plus? Un Meravia, non? C'est des méchants, ça? Ou non, c'est des gentils? Très manichéen comme jeu. Hein. Est-ce que c'est des méchants? Non, c'est des gentils. Il n'y a pas d'entre-deux, hein. Ou vous êtes des pourris, ou vous êtes des gens très fort agréables. Mais pas entre les deux. Hein. Alors, on en arrive où? Ah oui, il faut que je m'occupe de ça aussi. Il y a les peintures là, et enfin les teintes là. Et les animaux. Faut que j'aille remettre les animaux à leur place. Ah mais ça m'a filé autant que ça. D'accord, ok. Je me demandais pourquoi... ok. Ah j'ai encore des trucs à faire à la zone de chasse, c'est vrai. Alors, trois machines touchées par le brasier. Ça devrait se faire ça. Ça je trouve un petit truc à côté là avec des animaux là. Regardez là-haut. J'ai des grands fronts là-haut, c'est parfait. Mais faut que j'équipe. Alors, les armes. Avec le brasier. Ah. Ah. Ok. Et bon, on va l'essayer ça. Alors ça marche comment? Ok, ça marche bien. Ça marche tellement bien ce truc. Ah voilà. Le didacticiel le plus simple de la vie. C'était pas une mise en garde. Voilà. Voilà, c'est fait. Tu vas pas me payer alors que j'ai... ça m'a permis de faire de ce que j'aime le plus au monde, la devise des artistes indés. Mais tellement, hein. Évidemment, hein, ne payez pas les artistes. Hein, ils aiment beaucoup faire plein de choses gratuitement. Comme tout un chacun, de toute façon. Hein, on est d'accord que la plupart des gens adore bosser gratos.
Je comprends pas d'ailleurs que la plupart des gens demandent à être payés, hein, parce que finalement. Finalement. Le but, c'est de... C'est que les gens apprécient ce qu'on fait. Plus 42 en gel. C'est peut-être mieux ça, hein. Oh, quoique. Parce que là, c'est 41... Non, 38 en gel. Ça me donne plus 32 et plus 21. Plus 29. Ouais, non. À plus 28 en dégâts. Hein. Let's go. Et lui. Électricité et feu, on s'en fout. Donc on va lui filer plus en électricité. Et lui. Faut qu'on y mette du feu. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met plus en feu. Maniement, on s'en fout. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait le maniement, mais un jour. Un jour promis. On s'y attarde. Donc le brasier, c'est ok, mais faut que j'équipe ça, moi, du coup. Hop. Et donc, les canons de glace. Grilleuse touchée par le canon de glace après avoir été gelé. Donc faut que je les gèle d'abord. Donc, par exemple, le lance-glace. Et derrière, je les touche avec le canon. A priori, hein, c'est ce que j'ai compris. Mais bon, vous savez, je suis un peu con. Je comprends pas toujours tout ce que le jeu il me dit. Hein. C'est le problème. C'est un peu le problème. C'est que, bon, des fois le jeu il me parle de trucs et. Je fais hein ? Quoi ? J'ai pas compris. Alors, les grilleuses. C'est où ? C'est par là. Ah mais y a pas que des grilleuses là, y a des y a des grands coups aussi là. Ah il m'a vu lui. Oh oui il m'a vu. Tac et derrière. Aïe. Aïe. Mais pourquoi ça tire pas? Ah bah voilà. Mais là il était dégelé en fait, donc ça marche plus. Non non mais ça va aller, vous inquiétez pas. Bordel. Et merde. Mais à un moment ça marche ou pas là? Ah c'est ouf. Attendez je refais. Moi je vais y arriver. Donc là, tac. Mais pourquoi ça tire pas? Ah bah voilà. C'est méga chaud. Bon bah voilà. Et bah pas simple hein.
pas simple tuto parce que leur truc là en fait il met tellement longtemps à charger. Je pensais pas. Faut que je retrouve un site de grilleuse. Allô ? Allô les grilleuses ? C'est grilleuse ça ou c'est pas grilleuse ? Non, c'est pas grilleuse. Grilleuse. Là j'en ai un là. C'est tout ? Ah dis donc. Ah bah dis donc. Il est pas très généreux en grilleuse hein, le jeu. Hein. Comment je fais moi ? Comment je fais les tutos ? Comment je fais le tutos ? Si j'ai pas ce qu'il faut. Alors. Nous avons donc. La tour de contrôle, je veux pas la tour de contrôle. Allez. Merde, il y a l'arbre. Pars-toi, merci. Alors ensuite. Mais tire ! Merci. Évidemment. Ça, il va pas me balancer que ça quand même. Oh mais il y a l'autre qui arrive. Allez, j'ai réussi. Non, barre-toi. Oh là 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 là. Ah mais ils font tellement mal. Reviens par là toi. Putain ils font super mal. Je vois rien. Mais j'ai pas le temps. Ah mais attendez. Ok, je l'ai eu. Ok, c'est bon. Elles font mal, hein. Elles font vraiment mal. Mais au moins. Je sens plus, mais. Je sens plus rien, en fait. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Le petit tutos. Ah, faut que je retourne au. Faut que je retourne au truc de chasse. Parce qu'il y avait un truc à la chasse. Elle est où la chasse? Elle est là la chasse. Il y avait déjà. Machine là. Faut que j'arrive à battre les bêtes, mais avec 3 flèches et 2 cailloux.
Et vous avouerez que c'est pas énorme. Et ça, c'est écrit. Et on va déjà aller voir le petit marchand là. Il y a ça que je peux vendre. Ça que je peux vendre. Il y a ça que je peux vendre. Il y a ça que je peux vendre. Il y avait un œil de quelqu'un quoi. On a vraiment revendu l'œil de quelqu'un quoi. C'est chelou. On va sauvegarder. Déconnons pas. Hein. Et derrière, on va voir ce que la vieille à nous veut en dernier. Tu en redemandes ? Fallait être chef. Bien. L'épreuve de chef de clan est un défi qui force les plus puissants chasseurs à repousser leurs limites. Ouais. Seules les machines les plus grandes et les plus dangereuses seront lâchées dans les arènes. Ouais. Apprends leurs faiblesses rapidement et fais ton possible pour les exploiter. Ouais. Triompher et survivre. Voilà une épreuve digne d'un chef de clan. Ouais. Descendre l'arène par la corde, qu'on commence. Ouais. Laisse-nous un moment pour attirer les machines jusque dans les arènes. Puis prends la corde. Ça va être quoi pour commencer là? Bah une grilleuse justement. Ça tombe bien, je vais apprendre comment les défoncer. D'abord je la congèle. Ah, il y en a plusieurs. Et j'ai pas choisi le bon truc. Ah mais c'est pas une grille ça. Si. Aïe. Re-aïe. Re-re-aïe. Aïe aïe ouïe. Mais non mais allô, il fait vite quoi. Je me suis pris la max, je sais pas comment. Attendez, on va faire un truc. Hop, et je fais ça après. Bah ouais, évidemment. Voilà. Ça marche plutôt pas mal ça, hein. Gelé puis derrière... C'est quoi à côté là? Ah non, ça va ça. What? Ouf, très cher. Hein. Mais... je tire tout à côté. Après c'est deux griffes de gel, ok.
On va refaire la même avant. Et voilà. What? Non, 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 ça c'est la... Non, non, ça c'est la technique de barbare, ça. Putain, il me fait 200 points directs, hein. Allez. Allez, j'ai 10 secondes, là. Non, te barre pas. Non, non. Alors, il déconne pas. Non, non, j'ai 2 secondes. Et merde. Et merde. Et merde. À 4 secondes. Ah, si je me prenais pas sa technique là, c'était bon quoi. En fait, j'ai perdu tellement de temps sur les premiers quoi. Ah, faut que je recharge le givre l'infin. Et où on recharge la sauvegarde? Pas du tout. Je retourne au truc et puis je vais recommencer. Non, c'est bien. Mais non, mais ça m'a filé... Ah bah non, j'allais dire ça m'a filé des points d'XP, mais pas du tout. Mais, tu as fini deux... mais non, en fait. En fait, non, c'est pas possible. Je peux plus avoir de points d'XP, je suis con. Non, mais faut que je fasse ça, en fait. C'est full combo, là. L'épreuve de chef de... Seuls les mages apprennent leur triomphe. On commencera. Laisse-nous un... J'ai perdu beaucoup de temps, en fait, au début. Faut que j'achète des trucs. Des ressources, il me faut du givre lymphe, mec. Vas-y. Je suis du genre à refaire pour être premier direct. Ouais, non, ça me file des trucs. En fait, ça me file des ressources, donc j'ai pas... Donc le givre lymphe, c'est ok. Et ça, est-ce que j'en aurai assez? Ouais, c'est 4 à chaque fois, donc... Ah, 4, ah ouais. Ça, il fait mal, hein. Ma petite bonbombe, là, ma bonbombe, là, fait quand même super mal. Hein. C'est quoi l'autre truc, là, à côté? C'est de la flambée, ouais. Vas-y, on y va sur la flambée. On va en prendre, hein. Comme ça j'en aurai. Voilà. Ça j'ai les deux. Hop. Et là je vais pas me faire avoir. Je les gèle. Et derrière je les défonce. Merde. Je me suis déjà fait mal quoi. Oh là là, mais il va me toucher combien de fois lui? Hop, et de 1. J'ai essayé de me barrer mais j'ai pas réussi. C'est dégueulasse! J'ai le temps de rien faire quoi. Merde.
Non, non, non. Ça va vite, hein. Putain. Ok, il est ouf. Genre il se téléporte lui ou quoi là hein. Oh, j'ai quasiment plus de vie. Ah merde. Ok. Vite. Vite à l'œil. Cours. Une 36. Ok, donc c'est bien, j'ai pas réussi à recharger. Merde! Non, c'est pas ça que je voulais faire! Allez, à l'œil! Non! Je vois rien! Merci. Aïe! Eh merde! Ah eh merde! Non! Non pas ça! Il est où le deuxième? Il est où l'autre? Il est là. Viens là. Viens mourir. Oh, j'ai plus de munitions. J'ai plus de temps, j'ai plus de munitions. Il est pas mort lui! Mais d'où il est pas mort? Mais ce connard! Oh putain, il me saoule! Putain, il avait un de vital quoi. Franchement, il est pas mort, il avait un de vital, ça me saoule! J'ai fait pire que tout à l'heure, quoi. Non, mais super, super. Oh merde, quoi. Et je t'abandonne là. Bah des bisous Ronin. Merci d'être passé. Ah merde quoi.
Alors lui, franchement, le zéro de vital là, pense au soleil d'été. Ça saoule bien quoi. Ça m'a bien saoulé. Ça m'a vraiment bien saoulé quoi. Je pense que j'ai perdu du temps au début en fait. J'ai pas des bombes de gel ou un truc dans le genre. Ça marche bien, mais ça met tellement de temps à charger, quoi. C'est ça le problème, en fait. Ça fait 360 de dégâts, mais ça met 10 minutes à charger, quoi. Attendez. La bombe collante. Du coup, c'est celle-là qu'il faut que j'utilise, ça fait tellement de plus de dégâts. Oui, la bombe collante fait plus de dégâts, quoi. C'est chelou. Allez, vas-y. Des ressources. Faut de la flambée. Alors que ma thune. Putain, mais ça me coûte cher. Ça me coûte cher ces conneries. Du coup, je mets ça. Ah bah non, attendez, faut que je relance. Deuxième position. Ouais. Non. C'est pas ça. Non. L'épreuve de chef seul les apprend leur triomphe. L'épreuve, laisse-nous un. C'est bon, je suis prêt. Et donc la bombe collante. Ça lui fait des dégâts à un moment ou pas? Ah bah oui. Et ça met un peu de temps en fait. C'est génial, j'adore. Ouais bon, ça fait moins de dégâts mais c'est quand même plus immédiat donc Aïe! C'est passé à travers. Mais bombe passe à travers, c'est quand même assez fou hein. Hop. Hop là, allez. Suivant. D'ailleurs j'avais mis 1 minute 30. Non mais cours là, voilà. Merci. Merci Aloy, c'est mieux quand tu cours. Celle d'à côté elle est morte direct. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tant mieux. Y a une machine qui est morte direct à côté quoi. Nice. C'est barré.
Aïe. Mais non, mais arrête! Non, mais reste dans le truc! Il est pas mort. Il est pas mort, le connard. Mais non, mais barre-toi, toi. Si, il est mort maintenant, là, ça y est. Oh, il est pas mal. Il est bientôt mort, lui aussi. Et bah voilà. Finalement, 3-10. Non, mais. Et là, j'explose mon record, quoi. Des fois. Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi le souffle de gel là à côté. Il s'est suicidé, je crois. Hein. Faudrait voir le replay, mais je crois qu'il s'est suicidé. Il m'a vu arriver, il m'a dit non. Aloy, elle est trop forte. Moi, franchement, j'arrête. J'arrête tout. J'arrête tout. Je préfère mourir. Ce qui me va, hein, mais. Il aurait quand même pu essayer, quoi. Ce que je lui reproche, c'est de pas avoir essayé, quoi. On sait jamais, ça peut servir. Vous savez, l'important, c'est de participer, hein. Hop. Allez, je vais récupérer un peu de ressources. On va voir c'est quoi qu'est-ce qu'on gagne. Je vais racheter, voilà, enfin je vais racheter. Je récupère en même temps des trucs de santé quand même. Mais 3-10 quoi. 3-10, elle va halluciner. Tu as réussi à surpasser un grand chef de clan. Ouais, ouais, ouais. Personne ici ne doutera de tes prouesses. Je m'en assurerai. Non mais je pense qu'on a bien assuré. Pour le moment, j'arrête. Tu peux toujours revenir. Je pense que c'était pas mal quand même. Hein. Un point de compétence ? Quoi ça me sert? Quoi ça me sert? J'ai déjà tout. C'est chelou. Mais du coup, dans les zones de chasse, bah voilà, on a tout fait quoi. On a tout fait. Ah oui. J'ai la boîte de champ des neiges là. Voilà, mais j'avais plein de trucs en fait. Ça je jette. Ça je jette. Ah, du cristal bleu. Bobine d'armes vétéran. J'ai pas de place. C'est chiant. Dégâts de lance, regardez ça. Voilà. C'est quoi ça? 51 en feu, 35 en électricité, 3. M'a pas l'air dégueu ça. Ça m'a pas l'air dégueu du tout. Qu'est-ce que j'ai en feu? Attendez. Attendez, je vais trouver. Là, j'ai électricité et gel.
Ouais, j'ai d'autres trucs. Attendez, il est où? Ah, il est là. Plus 51 en feu, plus 35 en électricité, plus 35 en gel. Mais ouais, mais ça me sert à quoi ça? Parce que j'ai aucune arme qui fait feu, électricité et gel. C'est un peu con en fait. En fait, c'est naze. Enfin, c'est bien, c'est vachement bien, mais c'est naze. Non mais je vais le mettre sur mon arc. Hein. Parce que là ça fait pas du feu. Ah il est ouf. Ouais voilà. Non c'est pas ça que je veux faire. C'est artisanat, modifier les armes, voilà. Je vais y arriver. Hein. Feu et déchirure, feu et déchirure. Ouais je vais remplacer celui-là en fait. Hop! Donc évidemment, je fais beaucoup plus de dégâts avec le feu maintenant. Très bien. Ensuite. Ensuite, ouais, je voulais déposer les figurines. You know? You know the figurine? Il me semble que les figurines c'était par là, c'était pas loin de... Non? Je sais plus. Par là? Par là? C'était où les figurines? C'est à côté d'un feu de camp, non? Je ne sais plus. Je ne sais plus! Eh bah peut-être pas finalement. Là? Ah! Tiens! Tiens, tiens, tiens! Il est où le gars? Vous vous rappelez du gars ou pas? Il était où? Le parc avec les animaux là. On mettait les figurines dessus. Le mec était ravi, il racontait que des conneries. Là? Je sais qu'il y avait... Je me rappelle qu'on avait chopé... Peut-être là, non? Ah oui d'accord. Je me rappelle qu'on avait chopé une peinture à côté.
Quoi si je mets une flèche? Désolé de casser l'ambiance. Hop. Est-ce que derrière je peux réparer? Ah oui. C'est rigolo. T'as vu, je t'ai réparé. T'as vu, je t'ai réparé. C'est cool, non? Mais là, c'est là où j'étais à l'instant, en fait. Je suis revenu exactement à l'endroit où j'étais. Je sais pas où c'est. Je sais plus. Oh, oh bah moi aussi je l'ai senti hein. Oh putain, ils mettent deux patates à chaque fois hein. Oh, c'est tellement large leur truc là. Merde, merde, tout au-dessus. Hop, une deuxième patate là, voilà, que j'ai évité. Ah, il est là. Oh! Et ben voilà. Une grilleuse en plus. Enfin, deux grilleuses en plus d'ailleurs. Enfin, en moins, mais en plus sur mon tableau de chasse quoi. Ah, oh, mais je sais plus où c'est. Je sais plus. Par là. Pourquoi il n'y a pas un point remarquable sur la carte? Je dois me préparer. Ah merde, il m'a vu lui. Oh là là, chaque fois quoi. Chaque fois je me les prends pleine tête ça. Hein.
Alors. Hop, tu chauffes, tu chauffes. C'est pas dans le coin là. Non, là c'est le coin où il y a machine qui tape sur les bambous quoi. C'est infernal de pas me rappeler du tout où c'était quoi. Ouais, les machines qui tapent là. Oh là, il y a le marchand, il y a rien. Je me rappelle que là, il y a que dalle chez le marchand. C'est assez incroyable, hein. Quasiment sûr que c'est de ce côté là par contre. Tiens, il y a un ourson. Est-ce qu'on irait pas casser la gueule du ourson? Pour avoir mon quota. 19, merde. J'ai pas tapé dans le bon truc malheureusement. Ah bah 19, ouais c'est bien. J'utilise quoi là? Bah voilà, là ça fait un plus de dégâts ça. Aïe! Putain, de si loin quoi! Super! Bah j'ai perdu tout mon bouclier d'un coup. On est très bien. Allez viens. Il aime bien te faire éclater, petit ourson. Voilà. Merde. Allez. Hop. Ourson est mort. Mais par contre... J'ai pas trouvé, toi était le mec qui aimait les statues quoi. Et ça me fait chier mais d'une force. Collectionneur de figurines d'animaux. Ah merde. Merde. Je sais pas lire. Je sais pas lire. Ça fait 15 minutes que je cherche. Quoi? Non mais ça je m'en fous. Je veux lui redonner. Me revoilà, Enjuk. Voilà. Un intérêt pour les bêtes. Hop. Et voilà, Enjuk. Ben voilà. Tiens, je vais lui vendre ça.
Je vais lui vendre ça. Je vais lui vendre ça. Puis ça. Par la lumière bleue, je n'aurais pas cru voir la collection complète un jour. Regarde-les. Ils sont si beaux. C'est un vrai miracle à l'œil. Ce sont peut-être les seules preuves qu'il nous reste de l'existence de ces bêtes. Prends ça. C'est la moindre des choses. Et reviens quand tu veux. Car moi et nos amis animaux en serons ravis. Mais écoute, ça fait plaisir. C'est tout ce que je dois savoir. Tu es sûr ? Hop, ça y est, regardez. On a remis tous les petits animaux sur leur stèle. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, les petits animaux ? Et du coup, est-ce qu'on n'a pas vendeur marchandises Banouk ? Moi, je cherche celui là qui veut les marchandises Banouk. Les objets de chasse, les marchandises Banouk. Les marchandises Banouk. Moi, je veux celui qui veut les teintures là. Il est où celui des teintures ? Objets de chasse. Les pigments. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé celui qui veut les pigments. À ton avis, à quoi ressemblera la fresque de Séculi quand elle aura terminé ? Ah, il y a des quêtes que j'avais pas. Merde. Il y a des quêtes que j'avais pas vues. Mais pourquoi ? Inatout. Tu es lié par les fils de machine comme nous sommes liés par les règles. Mais ton crime était un meurtre. Et nous devons te chasser. Hors du Vérac, de notre protection, de nos champs. Mon chef. Kopilai. Je suis ton combattant préféré. Tu ne me reconnais pas à cette dent que tu m'as enlevée ? Combien de fois je t'ai tiré du danger par la peau du cou, trouvé des prétextes pour ta conduite ? Tu étais mon préféré. Mais le chaman a fait son choix. En attendant ton exil, réfléchis à ce qui t'a conduit ici. Un simple défi. Lequel d'entre nous refuserait un défi lancé par un étranger ? Pas moi ! Ce n'est pas moi qui l'ai tué ! Chut ! Chut ! Tu raconteras ton histoire à la classe. Pas content, hein. Ils aiment bien l'exil quand même en enjeu. Hein. Bon, j'y vais là. Je vais faire la quête de machin aussi. J'ai pris la cape d'Aratak. Elle est à moi. J'aurais voulu voir ce combat. Ils disent que tu as tué quelqu'un. Peut-être bien. Si même mon chef l'accepte, ça doit être vrai. Ça ne suffira pas pour moi. Tu me racontes ton histoire ? Je me suis battu avec un chasseur Karja qui m'avait défié. Je le reconnais. Il était fort et rapide. Nous avons lutté à coups de poing et des gros. Et mon souvenir d'après, c'était l'aurore. Et le Karja était là, le crâne complètement ouvert. Mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Bah non, parce qu'il s'est fait casser la gueule. Ton Vérac n'est pas censé te soutenir ? Ou du moins te laisser le bénéfice du doute ? Quand oh là là, à l'œil. Quand l'embrouille a réglé, j'étais la solution. Combattre pour l'honneur et gagner, c'était mon rôle. Ou quand il leur fallait un perdant pour les apparences, c'était moi aussi. Maintenant qu'un étranger a été tué sans honneur, les regards se tournent vers moi. Je suis la honte de mon Vérac. Ils ne veulent pas d'ennui avec les Karja, et tu portes le chapeau. Ouais, le bouc émissaire, quoi. C'est ce que je fais le mieux. Alors, tout le monde sait que tu t'es battu avec cet homme. Bien sûr. Pour l'honneur, je combats toujours. Si j'étais libre, je me battrais pour prouver mon innocence. Je ne crois pas que ça t'aiderait. Ouais, non, moi c'est non plus. C'est ce que je suis. Tous les coureurs du Vérac ont un don. Moi, je me bats. Personne n'encaisse un coup, une chute mieux que moi. Jusqu'à cette fois... J'avais trop bu. On s'agrippait. Il m'a frappé à l'oreille. J'ai lancé un dernier coup en tombant, mais pas un coup mortel.
C'est impossible. En guise de châtiment, ils t'expulsent du Vérac ? De la chaleur. Ils m'emmèneront en haut du tranche-nuage pour m'y laisser complètement nu. C'est affreux. Si je survis, la Terre m'aura absous. C'est la loi, je dois l'accepter. Sympa ? Ils sont vraiment sympas, hein ? Ça reste affreux. C'est vraiment ? Bête. Je sais bien que je suis perdu. Je ne battrai pas une montagne. Je vais être honnête. Ça paraît compliqué de prouver ton innocence. J'ai déjà entendu ça. Où s'est passée la bagarre ? Une clairière, juste à côté du campement des étrangers Karja. Essaie de leur parler. Moi, ils ne m'écoutent pas. Ils disent que personne d'autre n'est passé, à part la victime et moi. Moi, je vais voir des signes. J'ai observé les signes dans la neige et à confirmer. Je vais voir ce que je peux trouver. Je reviendrai. Je serai I'll be là. Back. Où est-ce que j'irai avant que la corne ne sonne l'heure de mon exil ? Ok, donc. Et j'ai une autre. Ok, j'ai une autre quête là. Faut que je monte. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai jamais eu ce truc là ? Nous nous souvenons aussi de la tribu. Ah, d'accord. Qui se plaisait à sucer la moelle de nos os brisés. Où que Vanukai et son Vérac puissent fuir, la tribu Horace les suivait. Cherchant un moyen de les faire. C'est là-haut, hein. La difficulté ne te regarde pas, étrangère. Elle me parle pas. Écoute. Je n'ai vraiment rien d'intéressant à te raconter. Ah, je m'approche. Let's go. Blablabla. Merci à Warpal. Il est où ? Le marchand. Attendez, je l'entends. Ah ben c'est lui. C'est une jolie. D'accord. Vie que tu as. C'est une. T'avais pas vu. Utile. Dans un monde si vaste, nous sommes bien éphémères. De si haut, on voit la lumière peindre sa toile sur la terre, toujours changeante. C'est une leçon. Nos marques s'effaceront. Ce point de vue paraît un peu déprimant pour un peintre. Tu connais bien peu d'artistes, dis-moi. La cime du champ doit se renouveler. Tu streames Outer Wilds, je pense que je regarderai régulièrement et sans spoiler, ça va de soi. Mais juste pour voir tes réactions. Ah non, ça va être. Qu'on a encore jamais vu. Ça, oui, j'imagine. Enfin, je pense que oui, je vais être expressif. Ourea m'a dit que vous étiez amis. Je peins ce que je ressens, sans me borner aux coutumes. Ourea comprenait. C'est bien l'une des seules. J'aurais été exilée si elle n'avait pas convaincu Aratak de m'accueillir. Tu as toujours été peintre ? Je peins depuis toujours. Mais je ne suis peintre que depuis que j'ai été chassée de Banu. Là-bas, les marques sont éternelles. Ils peignent toujours les mêmes lignes, les mêmes couleurs, encore et encore. Dans mon enfance, j'ai appris en les copiant. En grandissant, cette familiarité est devenue navrante. C'est comme si tous les Banuk étaient eux-mêmes pris dans les glaces. Nous semblons en vie, mais nous n'avançons pas. Ces pigments qu'il te faut. Tu sais où les trouver ? Les sels se massent près des sources chaudes et des geysers, et les cristaux aux roches et aux falaises. Les Banuk font des peintures impressionnantes, mais... Tu veux connaître leur sens ? Ce n'est pas la bonne question, mais... J'y répondrai quand même. Certaines appellent les machines, les formes sacrées sur les plaques de métal ou sur les creusets. Et les machines entendent cet appel ? Je ne sais pas. Les miennes, par contre, s'adressent à la tribu, comme une sorte d'inspiration, de prophétie. Et parfois même, les hommes écoutent si la peinture parle assez fort. Ok. Bah, j'ai chopé tes pigments, donc...
Jeune Nora, tu m'apportes tout ce qu'il faut. Tu voyages toujours les poches pleines de matériaux de peinture ? À vrai dire, c'est Cully, j'ai tendance à remplir mes poches de tout et n'importe quoi. Oh, ah, c'est rigolo qu'ils aient mis ça, quoi. Ça me plaît. C'est rigolo qu'ils aient mis ça. Reviens me voir plus tard. J'aurai quelque chose pour toi. C'est moi ? Ou c'est une dompteuse de machines qui te ressemble ? Où elle va ? À toi de me dire. Vers des ruines ou des montagnes, par-delà les eaux, la glace. Entre passé, avenir et destiné. Mais je ne crois pas qu'elle ait peur de ce qui l'attend. Tu m'as aidée. Inspirée. Tout comme les gens de la plaie. Que mon œuvre puisse t'inspirer à son tour. Où que tu ailles. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, c'est quoi le... Il est où ? On attendait depuis longtemps que Cécully termine sa fresque. Mais... Ah, d'accord. Voilà ce qu'on obtient. C'est derrière ? Ah oui, c'est derrière. Alors, j'ai une proposition à toi. Je t'ai parlé à toi ou pas ? Ah bah non, je t'ai pas parlé toi. Hop. Qu'est-ce que je peux faire, Burgrend ? Pleurer la triste perte de ma chance. J'avais rencontré des Banouks prêts à commercer avec des étrangers. Mais... ils ont disparu. Comment ça ? Trois chasseurs Banouks sont arrivés il y a quelques jours. Pas de provisions, matériel bas de gamme. Ils ne savaient même pas comment extraire les pièces des machines. Ils m'ont demandé de les équiper pour un long voyage. Et... tu me connais, Aloy. J'ai le cœur sur la main. Ah, le mec. Alors, je leur ai fait crédit. Ah bah oui. Et ils n'ont pas payé. Or, ils ont tenté. Regarde ce qu'ils ont fait à ce cœur de gueule d'orage. Mais ça fait une éternité. Et je m'inquiète un peu pour eux. Ouais, tu t'inquiètes pour ton pognon surtout. Dis-moi, Burgrend, tu t'inquiètes pour leur sécurité ou pour ta bourse ? On peut avoir deux sujets d'inquiétude. Qu'est-ce que tu leur as proposé ? Un marché honnête. Je ne suis que générosité, Aloy. Après qu'ils ont déposé ce cœur amoché à mes pieds, je leur ai même donné une nouvelle chance. Je les ai envoyés chercher d'autres pièces qu'il me fallait. Mais tu ne les as pas revus. Oui, en effet. Comment ça, ils savent pas extraire les pièces ? C'est courant chez les Banouks. C'est le travail du chaman. Les chasseurs abattent les machines, les chamans les dépècent. Ils n'avaient pas de chaman avec eux. C'était juste deux petits jeunes qui se disputaient. Et un grand type qui souriait sans rien dire. Si les Banouks ne chassent habituellement pas sans chaman, pourquoi ils n'en avaient pas ? Ils n'ont rien dit. Mais je suis prêt à parier que ce n'est pas une belle histoire, quelle qu'elle soit. Tu as dit qu'ils voulaient s'équiper pour un voyage. Mais pour aller où ? Je ne sais pas. Mais je les ai entendus parler de l'hélium quand ils croyaient que je n'écoutais pas. Alors ils quittent les terres Banouks. Une brillante idée. Mais j'ai l'impression que ce n'était pas un voyage touristique. Il fuit quelque chose. Je ne suis pas huissier, Burgrend. Si je les cherche, c'est pour être sûr qu'ils vont bien. Bien sûr, bien sûr. Que les braises ardentes veuillent bien me pardonner. Je me suis attaché à ces idiots. Ils sortent à peine de la forge. C'est touchant. Ouais, c'est ça. Mais... si tu arrives à les retrouver... Ah, le mec. Ah, l'arnaqueur, lui. Ah, lui, c'est un gros arnaqueur. Une griffe de grilleuse, une boucle de tendon d'un traqueur et un croc de carapateur. S'ils me les rapportent, leur dette est payée. Intérêt compris. Mais assure-toi qu'ils ne les abîment pas plus que de raison. Je vais... y penser. Quand je les ai laissés, ils partaient au nord-est. Ça regorge de machines à chasser. Si tu penses que ça en vaut la peine, va les chercher là-bas. Ok. Trois petits chats. Des chasseurs, ça, sœur. Bref. Donc le campement des Karja pour fouiller. Et après, on aura les trois chasseurs, là. Les trois petits chats. Ah, en plus, c'est là. Oh, d'accord. Ouais, ça va, alors. Ça va alors, si on est juste là. Hop. Mais désolé YouTube, ça sera évidemment après la pause. Des bisous YouTube.